Suite à ses performances exceptionnelles à la Coupe d'Afrique des Nations 2024, Simon Adingra a conquis de nombreux cœurs, notamment celui de la Miss Côte d'Ivoire 2022. Cette dernière a ouvertement exprimé son amour pour Simon Adingra. Marlène Kany-Kouassi a révélé sur les réseaux sociaux que ce jeune talent du football ivoirien ne la laissait pas indifférente. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification, et de nous laisser un gros pouce bleu. Lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire et opposait cette dernière au Nigeria, Simon Adingra a fait une impression remarquable sur le terrain. En tant que passeur décisif à deux reprises lors de ce match, il a conquis les cœurs des supporters. De plus, Simon a marqué un but lors des quarts de finale contre le Mali. Grâce à ses performances exceptionnelles, il a été élu homme du match de la finale et meilleur jeune joueur du tournoi. Sur les réseaux sociaux, il est devenu le chouchou de nombreuses Ivoiriennes, parmi lesquelles se trouve la magnifique Marlène Kany-Kouassi, Miss Côte d'Ivoire 2022. Elle n'a pas hésité à déclarer son amour pour le jeune joueur de 22 ans en disant « J'aimerais rencontrer Simon Adingra, il ne me laisse pas indifférente », a-t-elle publié sur Snapchat. Marlène Kany-Kouassi, née en 1999, est issue d'une famille de 7 enfants et a poursuivi des études en droit privé à l'université d'Alassane Ouattara de Bouaké. Elle a été couronnée Miss Côte d'Ivoire 2022, remplaçant ainsi Olivia Yassé, le 3 juillet 2022 à l'hôtel Sofitel d'Abidjan. Adingra, le prodige ivoirien en pleine ascension, est né à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Il a été formé par l'Académie Abisport au Bénin avant de rejoindre l'Académie Raigt Toudrim basée au Ghana, où il continue sa formation. En janvier 2020, il rejoint le club partenaire du FC Nordsjælland au Danemark. Le 24 juin 2022, Simon Adingra s'envole pour l'Angleterre en signant un contrat de 4 ans avec Brighton et Hove Albion. Cependant, le 4 juillet 2022, il est prêté en Belgique à l'Union Saint-Gilloise pour une saison. Lors de sa première apparition, le joueur ivoirien se fait remarquer en marquant son premier but. La même année, il explose en Belgique en inscrivant 15 buts et en délivrant 15 passes décisives avant de rejoindre la Premier League anglaise à l'été 2023. Depuis le début de la saison, il est l'une des révélations en Angleterre avec Brighton. Le 28 décembre 2023, il est sélectionné par Jean-Louis Gasset pour faire partie des 27 joueurs ivoiriens qui participeront à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Bien que blessé au début du tournoi, Adingra est revenu en force au moment décisif pour contribuer à la victoire de son pays lors de son 3e sacre continental. Alors, d'après vous, le footballeur international Simon Adingra pourra-t-il accepter les avances de la Miss Ivoirienne? Laissez vos réponses en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.